c'était un match compliqué. On s'attendait à un match dur et au final, avec la chaleur qui nous a pas aidé, c'était un match comme on l'attendait, avec beaucoup de duels. Et on est premier du groupe et à l'heure actuelle, c'est ce qui est le plus important. Et c'était un gros combat avec beaucoup de duels, beaucoup d'intensité. Et après, je pense qu'au final, on a montré quand même du caractère en revenant au score et voilà, on arrache ce point. Qu'est-ce qui nous a manqué? Je pense un peu de mouvement, un peu de, peut-être un peu de fraîcheur physique dû à la chaleur aussi. Et je pense que c'était un peu tout. Après, il ne faut pas négliger aussi l'équipe d'Hongrie qui a joué un très bon match avec ses qualités. Qu'est-ce qui s'est dit à la mi-temps? C'était un peu le coup de massue ou pas? Non, du tout. Non, on paniquait pas. On s'est créé beaucoup d'occasions. On savait qu'on pouvait revenir au score et on l'a fait. On a prouvé qu'on avait cette qualité-là aussi. Ouais, tu l'as dit, on est premier. Ouais. C'est bon signe, il n'y a pas de panique? Non, il n'y a pas de panique. On est premier, on a notre destin entre les mains et maintenant il va falloir aller chercher un très bon résultat contre le Portugal. C'est une très grosse équipe, on les connaît bien, on a déjà joué plusieurs fois contre eux et voilà, il va falloir qu'on mette les mêmes ingrédients que la dernière fois qu'on a joué contre eux. Il faut prendre le match comme on sait le faire, comme d'habitude, avec beaucoup de calme, beaucoup de patience, avec beaucoup d'agressivité dans les duels et je pense que tout ira bien. Ouais. La présence des supporters hier, les Français, ouais, ça s'est bien aussi. Ouais, non, c'était fabuleux. Ça faisait du bien de jouer un match entre guillemets normal avec des supporters et de revenir un petit peu à la normalité. Et jusqu'à mercredi, c'est quoi alors le programme? C'est récupération. Là, on n'a pas énormément de temps pour travailler. Là, le plus important, c'est de bien récupérer pour se sentir au mieux pour mercredi.